Isaac and his mother lived alone in a small house. Isaac and his mother lived alone in a small house on the hill. Alors. Oh, c'est Noël, c'est Noël. The Forgotten, évidemment. Et joyeux Noël, YouTube, joyeux Noël. Pour fêter ça, The Forgotten. Parce que je suis un ouf. Je suis un ouf dans ma tête. Je suis un malade. The Forgotten, un personnage assez amusant à jouer. Personnage que l'on n'a encore jamais joué sur cette chaîne. Chose que nous allons, à laquelle nous allons remédier dès maintenant, avec un niveau de jeu toujours aussi excellent, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. C'est parti pour The Forgotten, personnage doté d'une attaque à distance, d'une attaque de mêlée assez puissante, et d'un petit fantôme qui peut voler et choper tous les objets inatteignables en temps normal. Et ça, c'est très fort. Par exemple, les feux. Hein, si j'ai envie de farmer les feux, paf, j'invoque le fantôme. Et je peux farmer les feux. Et encore plus me faire chier. Et ça, ça n'a pas de prix. Par exemple, cette pièce. Cette pièce va faire toute la différence. Tu le sais pas encore, YouTube, mais moi, je le sais. Et là, je suis même pas obligé de péter le truc, hein. Je peux juste prendre ça, ça, ça et ça, et puis voilà, salut. Quand même. Par politesse. En revanche, si je perds mes points de vie, comment dire, mes cœurs rouges, mes emplacements de cœurs rouges sont remplacés par des os, et si les os se cassent, ils ne reviendront plus jamais. Après, je vais pas vous réexpliquer Isaac. Hein. Isaac, ça ne s'explique pas. Isaac, ça se vit. Isaac, ça se déguste. Alors, notre objet, qu'est-ce que c'est? Oh non, pas ça. Ah, pas besoin de bombe. Je reroll avec mes pièces. Ça, c'est bien. C'est bien, mais est-ce qu'on a envie de se faire chier? Je pense, hein? Non. Non, on n'a pas envie de se faire chier, en fait. Ah, pourquoi pas? Eh, pourquoi pas, Jamy? That's key. That's my boy. On va pouvoir ouvrir les portes, les salles secrètes. Et tout ça gratos. Moi j'aime bien jouer corps à corps. Si on joue Forgotten, c'est quand même pour jouer corps à corps, hein, on est d'accord? Oh, les deux salles secrètes. Oh, nani kulimashtayo. Oh. Ces deux cœurs bleus vont être intéressants si je trouve d'autres cœurs bleus. Ça, c'est très intéressant, par contre. Très, très, très intéressant. Essayons de jouer un petit peu intelligemment. Ça va. En vrai, c'est pas grave. Que je me sois pris un truc. Faut jouer avec lui, non? Je peux aller... Ah, ouh. Oh. Oh, nani. Moi, je porte mes balls. Hop là. Eh oui, les plays. Plays machine. Ah. C'était un piège. Je n'étais pas vraiment là, en fait. Ah. Du tears up, on va prendre cet HP up, évidemment, et on va se barrer. En soi, c'est pas grave que je me sois pris un...
un dégât dans mes cœurs bleus, vu que si je retrouve au moins un cœur bleu sur cet étage, potentiellement dans la boutique, je vais pouvoir prendre un double Devil Deal. Du coup, ça ne change catégoriquement rien que je me prenne un dégât supplémentaire. Voilà, par exemple. Ah, mais là, en revanche, j'aurais dû en prendre qu'un seul de cœur. J'ai été un peu con. Tant pis, si on en retrouve un, il va falloir gentiment le snober jusqu'au Devil Deal. Enfin, après, jusqu'après le Devil Deal. Ah, les tirs spectraux sont très intéressants contre les golems de pierre de ces morts. C'est parti! Ah! Un objet de Bob. J'ai envie de le gaspiller. C'est chose faite maintenant. Au revoir. C'était une envie comme ça. Je me suis dit, tiens, mais si je le gaspillais? J'ai été blessé lors d'une attaque, mais c'est pas grave. Gloutonie qui nous rend nos points de vie. Et c'est même worse parce que j'ai régénéré mon demi-cœur rouge. Alors, on va faire attention avec ceux qui chargent. On se la joue safe, tranquille, qu'est-ce que c'est que ça? Ace of Club. Ah, ça peut être intéressant pour ce demi-cœur rouge si on n'en a pas l'usage. L'étage est un peu chelou. Dans sa constitution. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on tente? Oui! Ah! C'est pas gentil ça. Mal au poignet, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal au poignet? Ne répondez pas. Tac, on va ouvrir le coffre. Ok, c'est un Ace of Club. Je vais donc prendre cette bombe. Et je devrais Ace of Club en vrai, hein. Je vais peut-être prendre la pièce, j'ai déjà 3 bombes. Transformer le reste en bombe. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà. Oui, car le squelette, quand on est en mode fantôme, le squelette qui reste... qui reste là et on peut pas trop s'éloigner de lui est indestructible, est invulnérable et absorbe les projectiles et les bloque. Donc défensivement, pour jouer défensivement, genre pour faire Hush, franchement avec The Forgotten, Hush est relativement trivial quand on a le bon stuff. Enfin, on peut le faire de manière extrêmement safe quoi. C'est ça que je veux dire. Parce qu'après évidemment si... Avec n'importe quel perso, si vous avez un stuff pété, bah vous êtes pété, c'est tout. Finalement, c'est assez simple, Isaac. Hein. Il est facile, le jeu. Hein. Il suffit d'être pété. C'est pas mal. Alors... Vous, on va vous tuer sans que vous ne puissiez rien faire. Si la mouche veut bien que je le fasse. Sauf vous. Je sauverai tout le monde. Sauf vous. Hop. Parce qu'après tout, c'est Noël. Ouais. J'espère qu'on aura Krampus du coup. Si c'est Noël, il nous faut Krampus.
On est toujours content de voir Krampus. C'est faux. Mais alors. Oh, j'ai la super secrète en plus. Là, on a un cœur bleu, intéressant. Je me souviens plus si on peut arnaquer le. Ah, le boss rush. Non, mais c'est trop tard. Je suis Burning Beastman 2 à 9 minutes. Laisse tomber. Le boss rush, c'est enterré. Oh, oh, très bon ça avec The Forgotten. Très très bon. Y'a bon. Grâce à cette petite trinket, nous allons pouvoir récupérer des points de vie très régulièrement en récupérant du pognon. Et faut pas oublier que le pognon c'est de l'argent. Eh oui. Allez, Butolorn. Butolorn noir qui ne fait qu'invoquer des boules. On revient. Un petit coup d'os. Petit coup d'os. Et se suicide dans le feu. Comme tous les Little Horn du monde. Ça, c'est excellent. Saint-Oil. Et le Devil Deal. Pff, super. Bah, ça, de sûr. Puis ça aussi, même si c'est. Même si c'est un peu nulos. On peut se le permettre. Des fois que. On va faire apparaître des pets. Un peu nulos, mais bon. Que voulez-vous? C'est la vie. Des fois on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et des fois on a ce qu'on veut. Il faut être content. C'est important d'être content. Vous êtes content? Moi je suis content. C'est parti. Moi je suis content parce que j'ai passé la journée à configurer OBS et. Comment il s'appelle? Et Vegas. Enfin, après des millénaires, les deux logiciels fonctionnent à la perfection, normalement. Et ça y est, YouTube, je suis tout à toi. Après toutes ces années de silence et d'abstinence, me revoilà plus fort que jamais. Et où est la salle secrète? J'aimerais bien le savoir. As-tu la réponse, YouTube? Je pense qu'elle est à côté de la boutique. C'est là-bas qu'on va aller. Et oui, YouTube. YouTube. Votre tube. Ah. Comme ça, banal. Eh bah écoutez, si seulement je pouvais porter deux trinkets, je prendrais les deux et ce serait bien. Mais le Bloody Penny avec The Forgotten. Hein. Juste le Bloody Penny avec Forgotten. Ah, me voilà déçu. Me voilà très déçu. Tant pis. Tu vas te faire chier, YouTube? Moi, oui. On va se faire chier, t'inquiète pas. On va se faire chier ensemble. Ça, c'est beau. Ah, mais c'est pas une reroll machine, bah j'ai rien dit. On va pas se faire chier, en fait. Dommage. Non, parce que j'allais dépenser toutes mes bombes pour trouver un... comment? Pour trouver mon bag en réduction. C'est ça que j'allais faire, en fait, YouTube. Ma folie n'a aucune limite. Mais ça, tu le sais, n'est-ce pas? Allez! C'est Noël! Allez, joyeux Noël, fumier! Ah, d'accord, donc en fait, le jeu a décidé de me gaver en bonne trinquette, c'est ça? C'est ça le jeu, c'est ça que t'es en train de me dire? Tu veux me donner des bonnes trinquettes, c'est ça? Tu veux que je passe un bon moment? Bah vas-y, je t'en prie! Après tout, c'est Noël. C'est vrai que c'est Noël. Même le jeu, il sait que c'est Noël. C'est pour ça. Il me fait plein de cadeaux. Ça, c'est beau, ça. C'est beau quand même le jeu participe à l'événement, à l'amour, à la convivialité. Bon, on va buter le marchand et on va reroll. La montre cassée, c'est une horreur, je n'en veux pas. Ok, il n'y a plus de questions à se poser maintenant. Le jeu va être en mode easy.
Easy mode activated. Ouais, allez. Petit guppy. Dorénavant, à chaque VOD d'Isaac, je deviendrai guppy. C'est faux. Absolument faux. Ah, par contre, la dernière vidéo que j'ai fait, c'est en faisant n'importe quoi, on devient n'importe guppy, ou je deviens guppy, effectivement. Et celle encore avant, avec Jimmy, le méga bro, méga bum, qui m'avait juste régalé à l'époque. Vidéo en ASMR, absolument incroyable, hein, je vous conseille d'aller la voir. Tiens donc. Bah, j'étais devenu guppy aussi. Finalement. Est-ce que. Oui. Ah. Oh. You are a part of this place. Oh. Ooh. Ok, très bien. The path is clear. We require only the strength to follow it. La crown. Je vais être obligé de prendre la crown en fait. Je vais être obligé de prendre la crown. Sauf. Il y a peut-être un monde où je prends pas la crown. Il y a peut-être un monde où je ne prends pas la crown. Putain, c'est pas optimisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Dagaz. Curse of the Maze. Ce serait plus intéressant de la garder pour autre chose. Allez, s'il te plaît. Non! Oh, une autre piqûre. Bon, je vais passer avec le fantôme parce que j'ai pas envie de perdre un réceptacle osseux. Je vais prendre Dagaz pour enlever une curse qui serait éventuellement... très chiante. C'est vrai que Maze c'est un peu chiant, mais on... mais ça peut encore le faire. On va récupérer des points de vie pour éviter de mourir. Hein. C'est important de ne pas mourir. Je vous conseille de le faire dans la vie. Oh, de l'argent. J'adore l'argent. Je vous conseille dans la vie. Je pense que la méta dans la vie. Vous voyez. C'est genre, déjà, rester en vie. Et puis avoir de l'argent, hein, c'est pas mal avoir de l'argent. Hein. Après, moi j'ai pas d'argent personnellement, mais... c'est à ce moment-là qu'Exa a compris qu'il fallait ferme sa gueule. Alors, un speed-up. Ça c'est bien, ça. Petit speed-up. Donc j'étais en train de dire qu'il y a un monde où je ne prends pas la crown, c'est le monde où, où j'ai suffisamment de stuff, suffisamment de dégâts, suffisamment de tout. Oh, mais The Sun, mais c'est trop bien aussi, mais le jeu arrête de me gaver. Oh. Oh. J'aime bien cet objet, même s'il est un peu nul. En fait avec BFF il est excellent, sans BFF il est bien, sans plus. Moi j'aime beaucoup en fait, du coup je vais le prendre. Dagaz, The Sun. Le truc c'est que The Sun, avec The Forgotten, je suis en train de me dire, c'est pas si ouf. Sauf avec la machine de don là-bas. Et j'avais un. Ok. On est parti pour se faire chier. Hein. C'était prévu, c'était cool. C'était cool depuis le début. Et si on s'ennuie... Ah non, elle est dans la curse room, je peux pas y aller. Il va falloir que j'utilise une bombe. C'est pas très grave. Ce n'est point très grave. Mais avec le... Ah ouais... Un petit peu osé de faire ça. Est-ce que je prends de la gaz? Non mais il y a la boutique. Il y a la boutique.
Parce que si je suis suffisamment pété, si j'ai suffisamment de stuff, j'aurais... En fait, j'ai déjà du tears up, j'ai déjà du damage up. Et pas qu'un peu, il me semble. J'ai déjà deux piqûres, j'ai the pact, j'ai du tears up, j'ai du damage up. En vrai, je suis bien offensivement, donc je pense que je vais prendre le Bloody Penny. En tous les cas, on va le prendre pour la machine. Car de ce fait, on donne nos points de vie pour de l'argent. Sauf que quand on ramasse l'argent, on a une chance de faire apparaître des points de vie. Et ainsi de suite, je pense que vous avez compris le principe. Voilà, par contre, un petit peu osé ce que je fais là. Voilà, histoire de gagner un petit peu d'argent. Surtout, attention au déplacement, hein. Ce serait malencontreux. C'est pas full opti, mais voilà. Peu importe. Allez, merci. Au revoir. Parfait. On récupère Dagaz. Donc je vais, ouais, je vais partir là-dessus. Hein. J'ai pas besoin de la crown en fait, même si la proposition est alléchante. Hop. Tiens donc. Bah en vrai oui, vu que j'ai la Dasky. Plus besoin de bombes que de clés en vérité. C'est pas grave. Vas-y, la dead ski c'était sympa, mais on peut peut-être passer à autre chose. Oh, il me troll. C'est pas celle-là que je veux, remets-moi l'autre. C'est parce que je suis nul sur mes déplacements, je suis nul. Je suis un branque. Du coup j'ai mis une pièce sans le vouloir, du coup j'ai pas la stopwatch, au secours. Par contre ça c'est bien. Je vais prendre la clé en vrai. Pas beaucoup de clés du coup. Et si je lâche la Datsuki, il vaut mieux récupérer quelques clés. On est déjà à 20 minutes CAF 1, on va essayer d'accélérer un petit peu. J'espère trouver une autre piqûre, comme ça je deviendrai spun. Gros damage up. Voilà. Ah ouais, avec Forgotten, c'est pas mal. Hein. Donc c'est corps à corps, on a juste à faire une simple petite pression. Et le familier qui défonce le boss. Je crois que ça marche que avec les tirs de mon fantôme. Ça, c'est un speed-up. Ça marche pas avec spawn, donc... Par défaut, j'ai envie de dire. Allez, hop. Je pense qu'on a moyen de... On a moyen de trouver notre place dans cette game. Petit cœur de sécurité. Hop là. On utilise le squelette comme bouclier, ça marche très bien. The Forgotten qui est un personnage. Quand vous savez ce que vous faites. Ah si ! Oh bah j'ai rien dit, ça marche même avec l'attaque au corps à corps, le blood machin. Le caillot de sang. Est-ce que j'ai envie de faire des combats de boss pour un coffre doré ? Je ne suis pas sûr. Deux clés pour ça, c'est cher, mais ça peut valoir le coup. Ça ne vaut pas le coup. Dommage. Hein ? Oui. Ah oui, ça aussi, un truc très fort avec Forgotten. Vous pouvez faire toutes les salles de combat. Aussi. Hein. Ce perso est quand même... Il peut vraiment s'autoriser beaucoup de choses, ce personnage.
Le seul truc un petit peu dangereux, c'est que quand vous prenez trop de dégâts en forme squelettique, eh bien vous perdez vos HP max. Et ça peut être très dangereux. C'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on fait. Ouh, audacieux ça. Alors. Il y a moyen d'avoir mieux. Il y a moyen d'avoir mieux. Il y a moyen d'avoir mieux. C'est pas mal, PhD. Faut que je trouve une pièce. I need to find a coin. I see a flower. I see a coin. Tranquillement, en forme fantôme, on est beaucoup trop rapide pour eux. Ils sont complètement outplayed. Ah. Alors ça, on sait pas ce que c'est. Je reviendrai avec PhD. Si vous le permettez. Je vous prie. Ouh. Je savais qu'il allait faire ça. Je le savais. Des choses sympathiques avec ce personnage. Même contre les ennemis au corps à corps. Ah oh, attendez. Je me bats avec ma mouche. Vas-y. Attends, je veux juste péter. Que ça n'a touché personne. Ah ah. Mais je vole. Vous ne pouvez rien faire contre moi. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. La Leften, non. This is a big nope. A really, really big nope. Par contre, j'ai un vrai problème avec mon poignet. Je ne sais pas pourquoi. Aïe. Peut-être que je ne suis pas dans une position assez confortable. Je devrais peut-être y remédier. Aïe! Et voilà, j'ai perdu un HP. Il va falloir trouver donc des HP up. Ça, un petit peu aux F en vrai. Voire totalement aux F. J'aurais peut-être dû prendre la crown finalement. Mais non, on est confiant. On est confiant, on est con, on est fiant. That is interesting, ces bouquins ne me servent strictement à rien en tant que Forgotten, mais j'ai deux bouquins pour la transformation en bookworm. Et ça c'est pas mal déjà. C'est déjà un bon point. Oula. On va éviter de sauter dans les projectiles aussi. Retour à la boutique, nous devons acheter notre PhD et aller se droguer. C'est important de se droguer. Je pense qu'un troisième truc à faire dans la vie, c'est de se droguer. C'est faux. C'est absolument faux. Enfin si, vous pouvez vous droguer si vous avez PhD, IRL. Mais si vous n'avez pas PhD, IRL, évitez de vous droguer. Explosive IRL, sup. Oh bah voilà, parfait, j'avais besoin d'un sup. Il y avait qu'à demander. Et rien que le PhD me donne un health up et me permette d'avoir des health up avec Forgotten, c'est excellent. C'est vraiment très rentable. C'est bien ça. C'est bien. Mais Dagaz, Dagaz c'est mieux. Je vais le prendre pour le boss par contre. Et on reviendra prendre. Oh, The Fallen. «
The Fallen, ça veut dire un objet de Devil Deal. Aïe aïe aïe. Ouais, là je peux prendre des dégâts, c'est pas très grave. C'est pas très très grave, c'est pas très très grave. Oh vache. Comment j'ai fait pour ne pas prendre de dégâts ici, je ne sais pas. On va d'abord aller au Devil Deal. Le vol, hein. Dans tous les cas, par défaut, le vol. Même si je peux déjà voler en forme fantôme, mais au moins je volerai en forme squelettique. Oh, Krampus, c'est Noël! Joyeux Noël! C'est Noël! Joyeux Noël! Oh, et le cadeau de Noël! My Xmas present, a lump of coal, un morceau de charbon. C'est tellement gentil. Et en vrai, c'est en soi un très beau cadeau sur Isaac que le morceau de charbon qui donne du DPS quand on est loin des ennemis. Alors, bah le vol. The Shade, on s'en bat un peu la race. Du coup, je vole en forme squelettique et ça va être très confortable dans beaucoup de situations. On va se faire chier ou on va pas se faire chier? Je pense qu'on peut se faire un petit peu chier. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'on peut un peu... On peut un peu se chier, hein. Après tout, c'est Noël. C'est Noël. Joyeux Noël. C'est Noël, joyeux Noël. Est-ce qu'on va faire les boss? Oui. Mais oui. Bien sûr que oui. Oh, je suis si rapide. Oh, une chaussure. Ouais. Ah, le stuff est bon, le stuff est bon. J'aime ce qui se passe. Ça, c'est les runs d'Isaac qu'on aime. Où on a du dégât. On a de la vitesse. On a de la vie. On a de la défense. Ça, c'est bien, ça. Ça j'aime bien, ça. C'est tout, hein. Je crois qu'on avait que ça à faire dans l'étage. Il y a la boutique, mais on n'a plus d'argent. Ah, quoique, j'ai dit Plopia. Est-ce que... Il y avait une reroll machine, hein. Il y avait une reroll machine, il me semble. Ou pas. Je sais plus. Voilà, vous savez quoi, flemme. C'est mon cadeau de Noël pour vous. Je vous épargnerai l'aller-retour à la boutique. De rien. Juste de rien, en fait. Ah, Curse of the Blind. Sur les objets. Eh bien, écoutez. Je l'utilise direct. Ah, j'aurais pu attendre pour le... Bon, c'est pas grave. Je vais me battre un petit peu avec ma mouche. La mouche bleue contre les mouches rouges. Les mouches rouges. Oh, c'est incroyable. Incroyable ce qui se passe. Lui il explose, il faut se méfier. Méfiez-vous. Aïe, mais ça fait mal. C'était une clé chargée, mais j'ai pas d'objet. J'ai pas d'objet qui nécessite des charges d'énergie. Pour le moment du moins. Ce n'est pas si grave. Pourquoi je fais ça? J'en sais rien, c'est mécanique en fait. Quand je vois un rocher marqué, je l'explose direct. Mais à part pour trouver The Small Rock, pas grand intérêt à exploser les rochers marqués en fait. Petit Haunt, ça me rappelle des souvenirs de ma première VOD d'Isaac. Un autre familier un peu nulos, mais c'est pas grave, on aime. On aime les familiers nuls. La jeunesse, c'est la passion pour l'inutile, rappelez-vous. Souvenez-vous. Aïe. Je fais peut-être un peu trop n'importe quoi, là. Hein. Faudrait que je récupère, faudrait que je joue un peu avec mon fantôme pour récupérer des... C'est quoi ça?
je peux peut-être... On va aller dans la salle de... dans la salle maudite, avec ce Feels Like I'm Walking on Sunshine, pour voir si on peut pas faire quelque chose avec un mentiant démon. Il y a un mendiant là. Un mendiant de type mendiant. Il peut y avoir des cœurs dans les feux. Ah. Il peut aussi avoir des pièces et... avec ma trinquette. Je réussis quand même à me faire toucher, hein. C'est incroyable. En fait, tant que j'ai plus de cœur rouge dans mon réceptacle, je serai toujours Je serai toujours dans une situation un peu de stress. Mais là, ça va mieux. Alors ça, c'est un D20, c'est un D20 pour l'étage. D20 pour l'étage. Ça, c'est bien. C'est même excellent. Ça, c'est quoi, ça? Ça marchera pas avec les bombes qui sont posées. Je crois que j'ai déjà essayé de faire des trucs comme ça et ça marche pas. Est-ce que j'ai un truc important dans l'étage? J'ai plein de cœurs gris. J'en ai pas vraiment besoin. Et en même temps, j'ai le coffre ouvert, là. Vous savez quoi? YOLO. Ok. Ah, il y a des cœurs rouges. Ça, c'est... c'est mieux, en fait. C'est mieux que des cœurs bleus, dans ma situation. Hop. De toute façon, pour les Devil Deal, je dis Plopia et... ouais, par contre... on va éviter de perdre des points de vie inutilement, si possible. Parce qu'en vrai, je devrais tout le temps jouer avec le fantôme, mais moi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de vivre. Laisse-moi vivre. Est-ce que je explose le mec pour 2 misérables pourcents bonus? Pour les Devil Deal, je pense pas. Hein. En vrai, je pense pas. Hein. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, mais faut que j'aille dans la salle du sacrifice, enfin dans la salle maudite. Je sais pas comment les appeler ces salles. Les salles où ça fait bobo d'y aller. Tiens non. Vous ici. Ok, c'est worse. C'est worse, ouais. Ah, tiens donc. Bah écoutez, je ne peux que accepter le défi. J'adore les défis. À quel étage on a des fois, là. Je garde ça pour le boss, tiens. Ok. Ah, il en reste un. Ok, ça nous donne. Ouais. C'est pas mauvais, on va dire. Dans tous les cas, c'est pas mauvais. Ne crachons pas dans la soupe. Même s'il n'y a pas de crème fraîche dedans. Même s'il y a deux fois trop de sel. Deux fois trop. Non. Non, pas encore, pas comme ça. La left hand. Où est la left hand? Une clé ici. Évidemment, on ne joue pas la left hand, hein, mais... Ah, le petit guppy, là. Hein. On a envie d'être guppy. Toujours plus, évidemment. Ah, mais j'ai oublié le bras, tant pis. Ça peut aussi être bien pour un Devil Deal. En l'occurrence, monstre en haut de un sac de points de vie, pas forcément très difficile, je disais, quand on n'est pas un attardé.
retournez pas en attardé, le boss est plutôt... plutôt simple, à vrai dire. Oh, il m'a fait une feinte. Hop là. Les deux font la même chose, mais avec ça j'aurai un tears up. Donc on va prendre le tears up. C'est un bon art ou un HP up, sachant que avec The Forgotten, les HP up sont convertis directement en bon art. Eh bien, je pense que la décision, la question est vite répondue, Jamy. Je pense. Et on va prendre The Lover, histoire d'être encore plus safe. La boutique, il y avait rien d'intéressant, il me semble. Là-bas, ouais. Non, mais c'est bon, je pense que l'étage est. Oh, attendez, attendez. J'avais pas fait gaffe, mais il y a un truc intéressant par ici. Mais putain, mais c'est pas vrai. Il y a un truc intéressant, c'est ce truc là. Le smelter. Ça, j'aurai passivement l'effet de ma trinket. Et il n'y a pas de batterie, malheureusement. J'aurais pu manger la fourchette en bas. Mais tant pis, on ne va pas manger la fourchette. On va plutôt. Je sais plus si le Mysterious Paper. Ah, je me pose trop de questions. Ou pas, hein. Ça reste Isaac, hein. On peut être surpris. Je peux me prendre un revers papal sorti de nulle part. Après, dans tous les cas, ça peut être utile en forme fantôme pour jouer encore plus safe. Donc on va sûrement faire ça. Et je vais prendre The Lovers. Parce que c'est Noël, il faut de l'amour à Noël. Joyeux Noël! Alors, je ne connais pas mes points de vie, tout ceci est inquiétant. Tout ceci n'est pas pour nous rassurer, évidemment. Oh là 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 là. Attention, attention. C'est aussi un des inconvénients du fantôme. C'est qu'on joue dans un espace de jeu réduit, ce qui peut rendre certaines situations un petit peu délicates. Ah, c'est intéressant ça. Ah, ça donne pas le tears up, mais quoique ça le donne peut-être en forme fantôme. On peut tirer en diagonale. C'est pas inutile, on va dire. Oula 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 oula. Mais je... Soit je suis très fort, soit je suis très chanceux, et je penche plutôt pour la deuxième proposition. Il y a une salle de sacrifice, ça ne m'intéresse pas. Là, il y a maman, ça veut dire qu'on ne pourra pas retourner en arrière. On va exploser ça pour des clés, ça me va. On a eu la salle d'objets, on peut éventuellement avoir une boutique. Pourquoi pas aller à la boutique? Oula, attention. Même si je n'ai pas d'argent, j'ai le Diplopia. Et si l'objet est insane, pourquoi pas? Genre, à tout hasard, hein, un objet qui serait insane, ce serait par exemple une stopwatch, hein, par exemple. Mais s'il y avait une stopwatch... En revanche, les trinkets. Hein. Le jeu me donne beaucoup de bonnes trinkets depuis le début. Ah, pourquoi pas, avec le sac de sac en plus. Mais après, il y a le Devil Deal, mais j'ai toujours mes cœurs pour les Devil Deals. Vous savez quoi? C'est Noël! Joyeux Noël, c'est Noël! Ok. Ok.
On va tuer ce mec pour le leveler. Il y a BFF, il me faut BFF, donnez-moi de l'argent. Je veux jouer avec ma mouche inutile qui va désosser tout le monde et surtout les boss. Et je suis un branque. J'avoue, je devrais jouer avec la mouche en fait. Oula, pas ici, pas ici. Pas cette salle. Ok. On va prendre un HP. Hein. Puis à vrai dire, je vais même me barrer en fait. J'en ai marre de vos conneries, je me casse. C'est tout. C'est tout? Est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Bah si en fait. Alors, contre maman... Ouais, le fantôme. Se faire une maman... à ne pas sortir de son contexte. Se faire une maman en squelette, c'est... C'est très risqué. Très risqué. Trop inutilement risqué, sachant qu'en fantôme, ça se passe très bien. Mon build est bon, il est pas incroyable, mais il est pas mauvais. Je pense que nous avons les moyens de mener à bout cette partie. Curse of the Maze. Super. Ah ouais, d'accord. On part sur ce genre d'ambiance. Ah ouais. Première salle du premier étage du Gromb. Je vois que les ambiances sont posées. Fort bien. Alors, faut pas que j'oublie que j'ai The Lovers. J'ai trop tendance à oublier mes consommables qui peuvent faire une réelle différence. C'est nul. Mais oh, heureusement qu'il y avait un cœur. Huge growth. Ça donne des dégâts, mais ça m'intéresse pas. Des os. Pas des os. J'ai horreur de ces ennemis, hein. C'est un truc de ouf. Ces ennemis sont pour moi une erreur de design. Ils sont pas sains en fait. Alors que les Lost, eux, ils sont parfaitement sains. Mais moi, est-ce que je sais jouer? Est-ce que je sais jouer aux jeux vidéo? Je ne pense pas. Oh, spawn. We are raising an army. C'est juste un spawn qui est proposé, hein. Mais ça, c'est le talent. Ce jeu, c'est avant tout du talent. Mais j'ai toujours dit. Mais non, mais... S'il vous plaît, respectez-moi. Ça commence à devenir légèrement dangereux. Il faut que je joue en forme squelettique, sauf que la forme squelettique... Ah. Il faut être concentré, il faut que je reste concentré. Soyons concentrés. Nous étions contents, nous sommes toujours contents, mais soyons concentrés en plus. Est-ce que je rebrousserai pas chemin pour voir un petit peu l'étage ou alors je speedrun? Jazzy Lovers, hein, faut pas que j'oublie que Jazzy Lovers. Allez. Ah mais du coup j'ai oublié BFF. J'avais pas d'argent. Oula. Ok. Ces boss sont relativement simples. On va laisser les familiers faire le taf. Ça va, pas trop compliqué. Ah,
Ah, ça, ça va être intéressant avec PhD. Ça donne, je crois que ça donne un, oui, ça donne un HP bleu. Je suis capé en tir rate, hein. Donc on va prendre ça, surtout qu'on a PhD. Sûrement des choses intéressantes. Speed up, j'en ai pas besoin. Infested, one make you small. Je suis tout petit, un tout petit squelette. We are raising an army. Je me prends un coup en fantôme, je décède. C'est un problème. Donc, il va falloir que je joue permasquelette. En attendant de retrouver des HP bleus. Sauf que des HP bleus, ils pleuvent pas du ciel. Ils tombent pas du ciel. Faut que je fasse ça. Allô. Si j'ai un cœur bleu, jamais je joue fantôme. Je vais utiliser ça pour jouer de manière plus safe. Oh non, pas comme ça. Ok. J'utilise pas assez l'attaque à distance du squelette. Qui est pourtant un outil avec lequel il faut... avec lequel il faut faire. Dans l'espoir de trouver un rocher marqué, c'est vraiment... C'est vraiment ce que je voudrais actuellement, c'est un rocher marqué. Tout à l'heure j'en avais plein, alors j'en avais pas besoin, et maintenant j'en ai vraiment besoin. Et j'en trouve pas. C'est tout à fait dommage. Bon, désolé YouTube, hein, la VOD sera un peu longue. Qu'est-ce qui vient de crever là ? Je vois. La vidéo va être un peu longue, mais que veux-tu ? C'est Noël ! Je n'ai strictement aucune idée pourquoi je... D'où ça vient. Ça vient de nulle part, en fait. Ouais. Tout ceci ne me dit rien car... Oh, je l'ai vu. Ok, c'est ce que je cherchais, je l'ai vu. Je suis content. Je pense qu'on va pouvoir changer d'étage. J'ai pas forcément envie de faire le reste. Allez, c'est parti. Finalement... Je repense au choix que j'ai fait avec la crown. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Ce sera peut-être plus clair après, mais... La crown n'était peut-être pas une si mauvaise idée, en fait. Dans tous les cas, la crown, c'est jamais une mauvaise idée, mais... Sur le moment, c'était la crown ou le Bloody Penny, donc... Donc voilà, j'ai préféré la jouer safe. Ok. La situation est parfaitement sous contrôle. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Ok. On a reset. On a un coffre béni avec plusieurs clés. The deal. Et c'est tout. Super. Heureusement que j'ai les Pretty Fly pour me protéger aussi. Ok. Ok. Oula. Ah. Quand je suis rentré dans cette salle, je savais que j'allais me prendre un coup gratuit sans que je ne puisse rien faire. Heureusement, ils ont pas pu enchaîner sur un deuxième. Par contre, je vais potentiellement perdre un cœur. Ça, c'est un problème réel dont on ne parle pas assez, visiblement. Oh oui, merci. Pourquoi deux? Aucune idée.
Je... Ouais. J'ai pas compris pourquoi j'en ai eu deux. C'est... Ça va, il est pas trop long, lui. Aïe! Oh, tiens donc. Ça, c'est grâce à... au virus. Ok, eh bien nous avons... on a l'autre truc, donc... en vrai, je rentre chez The Lovers. Non. Après, j'ai 3 cœurs. J'ai 3 cœurs. Il utilise surtout des projectiles dans ses... Par contre, faut que je me débarrasse de ces mecs très vite. Très vite. Ok. Ok. On a réussi à... se mettre dans une position plutôt safe. Quoi ? Oh non, non, pas comme ça. Pas comme ça, non. Par contre, là où ça va être marrant, c'est quand tu auras les lasers. Je vais être suffisamment rapide pour les distancer. Et avec un peu de chance, je n'aurai pas à le faire. Nice. Pas de Devil Deal, dommage. Même si en soi, je pouvais sûrement pas le prendre, étant donné que je n'ai plus que 2 cœurs bleus. Même s'il y a la technique pour arnaquer les Devil Deal, même si t'as pas assez de cœurs. Typical de Forgotten, mais... Il y a même Delirium, tiens. Évidemment, c'est hors de question. Est-ce que je retourne en arrière ? Est-ce que je retourne en arrière ? À la recherche d'éventuels... en vrai, c'est ce qu'il faut que je fasse. Désolé YouTube, tu es venu ici en âme et conscience vu que tu as vu la durée de cette vidéo. Hein. Tu connais la durée de cette vidéo. Alors que moi, à l'heure actuelle, je ne la connais pas, donc tu es venu ici en âme et conscience. Mais bon, c'est Noël. C'est mon cadeau de Noël. Une VOD de 1h30, 1h40, 2h. Mais on aime. Est-ce que je propose pas de la qualité sur cette run? Franchement, cette run est incroyable. On a envie de rester, on a envie de vivre des choses. On a envie de voyager. Dans l'utérus de sa mère, entre autres. Tac tac tac, est-ce qu'il y a des rochers marqués? Est-ce que j'en vois? Est-ce que je vois les rochers marqués? Ah, tu vois. Je veux dire qu'il n'y a pas de rochers marqués là-dedans. Il n'y a pas de rocher marqué. Oh, est-ce que ce serait pas un... Non. J'ai 11 bombes, je peux me permettre. Ben non. Je croyais que c'était un super rocher marqué, mais... Mais non. Et ici, on a une salle de combat. Seulement, j'ai un truc pour me téléporter. En plus, c'est des boss. C'est bien parce que c'est Noël. Bon, un HP bleu. C'est un Loki, ça va. On a connu plus terrifiant comme ennemi. On a connu beaucoup plus terrifiant. Et ça, c'est un chub. C'est un chub lent en plus. Effectivement, on a connu beaucoup plus terrifiant comme ennemi. Mais pourquoi? Attends, qu'est-ce qui fait que... Parce que là, j'ai eu un sac. Ah, mais c'est mon sac de sac. Bah oui. Vous êtes sérieux? Genre là, j'étais dans son... J'étais à portée d'explosion, là. Pour de vrai. Je demande un arbitrage vidéo. Franchement, j'étais trop loin. Ah, ça par contre, c'est mauvais bail. J'ai décidé que ça valait pas le coup, salut! En revanche, il y a une salle spéciale en haut. Une salle spéciale, mais... Les deux conneries... J'ai pas envie d'affronter les deux conneries. Pas avec ce stuff, pas comme ça. Après, est-ce qu'il y a des rochers? S'il y a des rochers... Il y a des rochers. Il me semble que s'il y a des rochers, ils peuvent pas me faire de mal. Ouais, ça va. Grâce au rocher, on peut faire cette salle de manière sécurisée.
Ok. Mais je m'en fous un peu du pognon en fait. Bon, un luck-up. Je sais pas à quoi ça me sert la luck actuellement, mais. Pas grand chose. Oh putain. Attention. Bon, bah c'était pas ouf. C'était pas ouf. Ouais, je suis pas plus avancé. Franchement, je. Sur le. L'explosion que je me suis pris là. C'était pas très legit. Bookworm. Juste Bookworm, et ça m'indique la position de la super secrète. Eh ben c'est bien. Super. On s'est rattrapé là-dessus. Tac, on va prendre ça. Et c'est tout. On n'a plus rien à faire ici. Donc j'ai pris Polaroid, évidemment. Obviously, donc allons à la cathédrale parce que on joue au jeu en fait. On n'est pas là pour arnaquer. Enfin si, on est là pour arnaquer, mais au moins on va jusqu'à la vraie fin. Hop. Ok, oh là, j'aime ce que je vois là-haut. J'aime ce que je vois là-haut, parce que éventuellement. Ah, il m'a ouvert la porte. Aïe! Ne me faites pas de mal. Monsieur Longjambe, ne me faites pas de mal. Ok, on a laissé un cœur derrière. Oh! Oh, ça, je reconnais. C'est un HP up. Ah! Ouf, miracle, miracle! Miraculus! Faut que je fasse un truc stylé pour tout gâcher après. Pourquoi ? Oh oui ! Oui ! Des points de vie. Même si ça a moins d'impact avec The Forgotten, vu qu'on a deux barres d'HP un peu bizarres, mais. Mais au moins je vais pouvoir jouer fantôme de manière safe. Ah, ça va mieux. Bon, es-tu Jimmy ? Es-tu Jimmy revenu d'entre les morts pour. Enfin, revenu. Revenu du paradis pour nous délivrer du mal ? Vous vous ressemblez tous, du coup je sais pas. Je sais pas si t'es Jimmy. Es-tu Jimmy ? Ce coffre rouge. Il me dira tout. Ah ouais, sympa. Sympa, mais un. Oh non ! Pour le chest, c'est bien. Et je peux porter deux trinkets. Oh. Oh, pas mal. Peut-être que tu étais Jimmy. Ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, merci à toi. Adieu. Tu seras plus heureux là-haut. C'est encore mieux. C'est encore mieux qu'un Book of Revelation. Incroyable. Yomart, comme ça, donné par... Bah super. Bah écoutez, on va passer un bon moment. Oh, j'ai perdu mon... Oh non. J'ai perdu mon bone. Et en plus, je suis éjecté hors de la salle. Bah tant pis. Après, je vous cacherai pas que voir ma barre de vie, ce serait intéressant. Mais bon, tranquille. Oh, gros tears up. Je vais aller dans la salle de sacrifice vu qu'il y a suffisamment d'HP. Ok, super. Hop.
En vrai, je sais pas, il y a débat. Hein. En vrai, il y a débat entre Yomart et Book of Revelation. Le truc, c'est que Yomart y revient plus régulièrement. Je suis quand même plus susceptible de me prendre des dégâts en mode squelette qu'en mode fantôme. Donc, on va dire qu'en toute logique, on devrait prendre Yomart. Je garde ces deux trinkets là parce que le Mysterious Paper ne m'intéresse pas tant que ça en fait. Je le prenais surtout parce que je pouvais le prendre. Mais en soi, je n'en ai pas besoin du tout. Ça peut être intéressant avec ça. The Lovers plus Yomart. Peut-être plutôt prendre celui-là. Comme ça, je me bats avec. Comme ça, je me bats avec la mouche. Ça me fait gagner du temps. Peut-être un peu overkill de prendre The Lovers. Après, ça me sécurise vraiment mes HP pour un combat de boss. Si vraiment je suis dans le mal. Ouais, on va garder The Lovers. Hein. C'est le choix safe. Un jour, on va terminer cette run YouTube. Garde la foi autant que je l'ai gardée. Je sais que Jimmy nous observe de là où il est. Et qu'il n'attend pas moins de nous que la victoire. Mais en fait, je le défonce, Isaac. Salut Isaac, comment ça va? Yo, Isaac. Comment ça va, mon bro? Bah alors, mon bro, on passe un mauvais moment? Et ouais, je me rendais pas compte, mais en fait, j'ai pas mal de dégâts. Hein. Avec Spun et tout le merdier. C'est juste dommage de pas de Guppy, mais bon. Je me débrouille comme je peux. C'est vrai que sans Guppy, c'est un peu injouable, mais tant pis. Alors, maintenant, je peux ouvrir tous les coffres gratos. Oh, je vois pas beaucoup de choses bien à part ça. Oh, hey, c'est de la merde. Non, ça c'est bien, mais je sais pas si ça peut exploser. Je crois que j'avais déjà fait le test, et il me semblait que ça n'explosait pas au corps à corps, ou alors les explosions au corps à corps ne me faisaient pas de dégâts. Bref, un truc qui rendait la chose jouable. Donc je pense que je vais prendre Firemine, parce que le feu purifie le monde. Bien. On va faire sauter ça. Oh, I can see forever. Et on speed up. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ah, j'ai pas trop envie de. Pas trop envie de me battre au corps à corps contre ces cavaliers. Attention, ok, ça va. Les gates, c'est loin d'être les pires ennemis sur lesquels on peut tomber. Les Gordy Junior non plus. Qu'est-ce qui serait. Ce serait bien chiant là comme ennemi. Ah, pas mal de choses, hein. Évidemment les adversaries, mais. Ça c'est un grand classique. Ah, on peut peut-être. J'aimerais bien. Hop. Ce truc peut nous donner des trinkets. Et des corps bleus. Allez, une petite couronne brisée. Pas grand chose, hein. Juste la couronne brisée, c'est tout, hein. Tu sais, c'est pas. Tu sais, moi. Ça m'irait bien, hein. Ou alors. Petite corne incurvée, hein. Truc comme ça, vite fait. Ça coûte pas grand chose, quoi.
Bon alors, et vous, vous passez un bon Noël? Dites-moi tout. Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous lirai. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires. Ah, c'était bien de la merde. Allez, hop. Oh, oui, comme ça, d'accord. Ah oui, parce qu'il était censé me donner la boule de cristal. Eh ben écoutez, je prends, hein. C'est toujours un objet défensif. Qu'est-ce que c'est que ça? 12 diamonds, j'en ai rien à foutre. Ah, mais si je l'avais vu avant, j'aurais pu optimiser. The World. Oh, ouais. You know. The World. The Warudo. Rien que ça. Rien de moins que The Warudo au chest. Eh ben écoutez, on est content. Parce que du coup, je vais pas pouvoir... Ça va m'éviter de me faire chier. Faire plus de salles que nécessaire et donc à prendre plus de risques que nécessaire. Et nous allons juste rusher la sortie. Affronter Blue Baby. Et enjoy notre vie. Ah ! J'ai été blessé lors d'une attaque. C'est terrible. Ouyouyouy. Oh, c'est sympa ça. Très sympathique. J'apprécie les fruits au sirop. Hop. Bon, la grande salle. Ça va. Ça va. C'est des boss du tiers-monde, ça va. Des mouches et des araignées, ça va. Ça va, on se sera pas tapé des adversaires. On se sera pas tapé 10 chubby dans un couloir. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, ça. Dans une vraie run, quand je faisais le 1001%. C'était vraiment aïe. C'était vraiment le... comment dire... une run de la débrouille. J'étais sur le point d'atteindre Blue Baby et j'avais ce qu'il fallait pour... pour le faire de manière assez sécure. Et là, juste avant, je me tape un couloir avec... 8 chevilles, je crois. Elite, sinon c'est pas drôle. Et je me fais un 100 OS. Voilà, petit souvenir, petite anecdote YouTube, sympathique. Bon bah voilà, finalement je pense plus de peur que de mal, même si à un moment je me suis dit, bah, faut trouver des cœurs quoi. J'étais un petit peu en mode faut trouver des cœurs, mais on va pas se mentir, c'était une run du plaisir. Et ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de t'offrir ça pour Noël, YouTube. Mais oui. Allez, tu sais quoi, c'est Noël, on en refait une. Non. On ne refait pas de run. On ne refait pas de run. Il y avait quoi comme challenge marrant qu'on pourrait faire la prochaine fois ou un truc comme ça? Rien, je crois. Hein. Je crois qu'il n'y a rien d'intéressant dans les challenges. Ouais, ouais. Trans Guardian horrible. La prise full. Ultra hard. Ah ouais, ultra hard, au secours. Ouais, non, on va faire des runs classiques. Hein, c'est bien aussi. Voilà, écoute, YouTube, je pense que la VOD n'était pas assez longue, donc j'en rajoute, hein. J'en rajoute un petit peu, voilà. Tu veux voir mes mods? Regarde, j'ai les trucs sprite... Sprite Rewall, donc qui fait des sprites, voilà, qui améliore certains sprites, qu'on aurait pu juger un petit peu vieillot. Le soundtrack d'Antiburst, évidemment. Des portes plus jolies, parce que c'est, voilà, inutile, donc indispensable. Alors celui-là, ça c'est le meilleur mod mais jamais créé, je sais pas qui l'a fait, mais c'est vraiment une masterpiece, hein, vraiment. N'hésitez pas à télécharger Darkest Dungeon Ancestor Narrator, parce que c'est vraiment un mod, mais d'une qualité incroyable, hein, franchement, n'hésitez pas. Voilà, un truc qui remasterise le Void un petit peu. Ah, et ce... En fait, j'ai rien qui change le gameplay en soi, c'est que du... En actif, en tout cas. J'ai rien qui change le gameplay, mais j'ai... C'est que du cosmétique. Sauf peut-être celui-là, Disable Giant Book Animation, qui retire la petite animation quand par exemple vous utilisez
Un Book of Revelation. Book of Revelation. Un Book of Revelation. Ça fait une petite animation où on voit un zoom sur le livre qui prend une ou deux secondes. Voilà, donc. C'est pour gagner du temps, je trouve ça plus sympa, je trouve ça plus agréable que d'avoir cette animation tout le temps. Là, on utilise le bouquin et paf, directement, ça fait le truc, c'est agréable, voilà. Je suis pas sûr que ce soit de la triche, en vérité. En vérité, ça ne l'est pas, c'est juste plus ergonomique. Bon bah voilà, faut peut-être que je termine cette VOD un jour au lieu de raconter ma vie, donc merci YouTube, joyeux Noël, évidemment. C'est Noël! Allez! Et à plus tard, et passe une bonne année! Non, ça c'est après, c'est dans une semaine ça. Allez! Salut!